Bonjour à tous et à toutes, salut et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights. La dernière fois, grosse session, très grosse session pour la deuxième partie entre guillemets, du chapitre 3. On a vu des dragons, on a vu des orques, on a vu plein de choses. On a récupéré le deuxième mot de pouvoir après. Une très très longue. Un très très long moment d'ennui, je dois l'avouer, contre ce dragon de merde. Mais on est là. J'ai oublié d'aller acheter des potions, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Du coup, on a le deuxième mot de pouvoir et on va pouvoir continuer la dernière partie, entre guillemets aussi, de ce troisième chapitre. La ville de Padivert a à tout jamais une dette envers vous pour avoir retrouvé le premier mot de pouvoir. Nous espérons que vous aurez autant de chance au cours de votre mission pour mettre un terme aux activités de Maugrim et de ses fidèles. Mais le moment est mal choisi de nous appesantir sur les succès du passé. D'autres mots doivent encore être retrouvés avant que Maugrim ne mette la main dessus. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Avec un peu de chance, cela ralentira l'armée qui marche sur Padivert. Et nous pouvons penser que la perte d'un nouveau mot de pouvoir nuira au plan de Maugrim, quel qu'il puisse être. Vous avez bien agi. Padivert et l'Alliance Seigneuriale vous sont reconnaissantes pour vos efforts, et c'est en leur nom que je vous remets cette récompense de 3000 pièces d'or. Ah, 1500 XP! Ah oui! Ah, c'est tellement bon! Que vous a-t-elle dit cette Ah oui, fois-ci? et donc cette fois-ci, notre chère amie Femme Lézard, dont j'ai oublié le prénom, a essayé encore une fois de nous prévenir, nous avertir, nous parler de là où elle était dans son plan, je pense, mais elle a été interrompue et donc du coup, est-ce qu'on l'a repérée? Est-ce qu'elle est en danger? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, du mystère. Je ne suis pas expert en histoire, mais cela ne lui ferait-il pas plusieurs siècles d'existence? Je ne suis pas sûr d'y croire, et je ne vois pas ce que cela a à voir avec Maugrim, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. C'est toi qui vois. Laissez-moi me préoccuper d'Aedraline. Maugrim et ses hommes rôdent encore dans la région, ce qui signifie qu'ils doivent penser qu'il reste encore au moins un mot à découvrir. Trouvez-le Ah, avant. c'est bien, tu fais le scénario. Je vous souhaite bonne chance pour votre mission. La survie de Padivert en dépend. Merci. Bien. Et donc voilà, donc mon journal de quête est à jour. Le deuxième des trois mots de pouvoir a été retrouvé et remis à Aringent. Mais l'ennemi n'est pas encore vaincu. Maugrim et son culte continuent à chercher autour du puits de Beruna. Ce qui prouve qu'il reste encore un mot de pouvoir. Dès que là, ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de deux choses que je me trimballe depuis le début, à savoir le globe des neiges. Donc ça c'est au nord. Voilà, donc ça on va le faire. Et aussi il y a ça, parce que je me trimballe un espèce de un truc un attrape-rêve et que j'en ai marre. Alors, chef Zoc, un info qui est dans une passe forte se trouvant à l'ouest. Et ben justement, je crois que c'est à l'ouest que je dois aller. Il me semble. Et par contre, Dalin, Oui, et je crois que ce soit pour vous. je voudrais parler avec vous. Voilà, et donc il y avait une histoire, une quête avec un petit peu l'histoire de Dalin qui se débloque au fur et à mesure de ce chapitre 3 en fonction d'a priori du temps que je passe avec lui. Et il ne parle pas, c'est dommage. Ah, est-ce que c'était bon? Est-ce que. Non. Non, ça ne se débloque pas. Bon, bah peut-être que. Peut-être plus tard. Et donc maintenant, je vais faire un petit saut très très rapide pour choper des potions. Ça va durer à peine une minute. Je vais choper une quinzaine de potions à Neric. Regardez, c'est beau. Oh là là, c'est magnifique.
Je vais t'acheter les potions très très vite, allez. Une vingtaine de potions, je pense que ce sera suffisant. Bon, maintenant à l'ouest. Oh putain, je sais même plus. Alors attendez, Fort Licard, c'est fait. Le bois lune, normalement, c'est fait. Donc c'est le bois frileux, donc c'est le nord. Par ici. Bois frileux, ok. Donc ça c'est le globe. Et ça c'est... C'est quoi ça? Mais je suis pas déjà allé à Fort Licard. Alors attendez, il y a une carte qui me chiffonne. Vous voyez, ça c'est le genre de choses que je ne comprends pas. Par contre, est-ce que tu peux te casser, homme du peuple? Casse-toi de ma mission. Cassez-vous. Je suis votre sauveur. La sortie, elle est là-bas. Je suis en train de me perdre encore une fois. Ouais, j'ai fait... Bon. C'est bizarre, ça. C'est très, très bizarre. Et cet attrape-rêve, je dois le donner à qui, putain? Yousam, oui. Oui, c'est ça. Et Yousam, c'est ça. C'était pas la bonne direction. Putain, j'en ai marre, je suis en train de me perdre. Non, demi-tour. Demi-tour. On va y arriver. On va y arriver. On va mettre du temps. Mais on va y arriver. Tout droit, tout droit. Allez, on va Fort Licard. Ouais, on va attraper là. On va tracer là. On va tracer. J'ai pas visité ces zones là. Je n'ai pas visité ces zones là. Je n'ai... Qu'est-ce que c'est que ce... Ah oui, c'est des archers de la tribu Zélan, ça d'accord. Et l'autre côté, je ne l'ai pas visité. Bah je vais faire ça, je vais me rattraper. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a un cadavre. Allez, le cadavre. 50 pièces, et... bah écoute, 50 pièces, hein. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller là. Je ne peux... Non, je ne peux pas. Je peux aller là, mais pas là. Très bien. Ah, peut-être parce que j'en avais marre et que je suis passé tout droit sans prêter attention à ce qui se passait. Ouais, puis y a rien ici. Y'en a ici, c'était juste pour faire joli. LOL. Non mais au moins je suis fixé, je sais qu'il n'y a un cadavre. C'est bien parce que j'ai raté deux cadavres. Donc, hop, voilà. Fort Licard et je dois aller à... L'ouest. L'ouest qui est de ce côté. Ouais, donc là-bas, quoi.
Donc là, j'avais battu plein de gens pas gentils. Et là-bas, il y avait des ruines avec un bordel de type espace-temps. D'accord, le jeu a considéré que je n'étais jamais venu ici. Ou alors Mike était la buggée. Attendez, je suis en train de me repérer. Ah non, non, c'est bon, en fait, c'est ça. La quête n'était pas actualisée, je viens de comprendre. En fait, j'étais allé là-bas, je les ai vus. Et en fait, il fallait que je leur donne ça pour. Je dois leur donner l'attrapeur de rêve. Ah, je suis en train de m'auto-faire chier. Donc, du coup, faut que je retrouve. Machin. Faut que je retrouve Yousem. Je sais même pas où il est. Alors là, pour trouver. Oh, alors là, ça va être compliqué. Je crois qu'il va falloir que je mette d'un plomb, sinon je vais pas y arriver. C'est pas vrai ça, je sais pas où je suis. Alors donnez-moi juste une seconde, je vais essayer de chercher un plan pour voir où est Yssem. Il doit être au puits. C'est là le puits. Incroyable! Mon enfant. Incroyable! Portez-vous des nouvelles? Un anneau. Pas lui vend des trucs. Impeccable. Je n'ai pas à aller m'ennuyer. Pour choper des trucs. Du coup, j'ai une connerie en moins. Je vais mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Anneau. Anneau de résistance destruction. Ouais, mais j'en ai déjà une. Donc là, tiens, tiens, moi, plus d'argent. Voilà. Donc ça, c'était la petite quête nulle, hein. Donc ça, c'est bon. C'est dans accompli. Maintenant, on va reprendre le globe de neige. On va aller au nord. Qu'est-ce qui fait le personnage? Le nord, c'est là-bas. Voilà, donc là c'est bon. Là c'est bon. On s'est repéré. On va au nord. On voit la porte. Merci. Allez. Oh, j'aime pas ces gens-là. Qui t'es, toi? Soldat. Ouais, soldat. Soldat, je t'aime pas beaucoup. Tu m'empêches d'avancer. Et c'est pas cool. Donc. Alors, de nouvelles zones. Alors. Ah, salut. Ah oui, il faut que je vous parle. Oui. Oui, bonjour. Oui, comment que toi? Je m'appelle Delvar, je travaille comme éclaireur pour Aringent. Oui, c'est moi. Il m'a dit que de vous guetter, il m'a fait une brève description de vous. Ok, pourquoi? Pensez. Alors, je reste un petit grand monde, voir tout bien. Vous voulez couvrir quoi que ce soit? Mais je crois que c'est des bons New York. Oui. Autre chose. Vaf. Le portail magique. Vous l'avez pas traversé quand même. Oh.
Ouais, c'est héros. Ah, héros. Merci, c'est le plus drôle. Je me pique d'être excellent pisteur. Je me perds jamais, mais je serai incapable. Ah, d'accord. Bon, et qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'allez vous faire dans l'immédiat? Oui. D'accord. Et tu peux m'aider? Très bien. Eh bien, merci mon petit d'avoir travaillé. Cadavre percé d'épée. Bah, la joie pour cet homme d'être devenu un piquet. Traverser le flèche. What? Il se passe des choses pas très cool dans ces bois. Un 5,40. Tu mets quoi dedans? En fait, il faudrait que j'arrête d'acheter des sacs 20. Donc le sac 20 sera à vendre et le sac 40. Eh. Voilà. Et après, c'est 40. Ah, j'ai 4! Putain, j'en ai 5! Oh! Ah oui, donc là, c'est 40, 60, et là, normalement, c'est 80. Ouais. Donc, les sacs 20, maintenant, je vais m'en débarrasser. Parce que ça sert un peu plus à rien. Donc là c'est du 20 et là c'est du 40. Ouais. Là, c'est 40, on va descendre d'une case. Impec. Ou alors, je le remplace par ce sac 20. Ah non, il était déjà à 40 celui-là. Putain, je suis en train de déplacer les mauvais sacs. Je suis en train de me perdre. Donc, sac 40. Non, c'est bon. Voilà, donc go. C'est bon, je me suis repéré. Faudrait soit que je rechope un autre sac. Merde, j'ai pas vu. Oula vache. Lui en premier. Oh là, c'est le bordel. Oh, c'est le bordel ce qui se passe. Oh, c'est le bordel. Wouah, c'est des orques. Waouh, eh ben, quel... J'étais pas prêt à un tel regroupement. Pour le tuyau. Ouais. Écoute, pour ce que ça vaut. On va contourner, on va faire un peu de... On va cartographier, toujours cartographier. Par contre, les couleurs, c'est une couleur un petit peu violet, rouge, un peu dégueulasse. Là, il y a un éclaireur. Ouais, à l'aide, chute. Donc là, il semblerait qu'il y a un campement. Intéressant. Là, il n'y a rien. Donc là, il semblerait qu'il y ait un campement. Très bien. L'autre côté, ici, qu'est-ce qu'il y a? Un cul-de-sac. Très intéressant ce cul-de-sac. Ça va m'aider dans mes recherches. Là, il y a un pont.
Très bien. Et juste à côté, il y a quelque chose. On dira. Je perçois quelque chose. Non, non, Dalin, tu ne peux rien. Tu te tais. Oh oh, mais qu'est-ce que c'est que ces mignons tigres sanguinaires? Qu'ils sont mignons. Ils sont mignons tout plein. Il y a même un petit ours. Ah, Talon, on a vu un autre. Et là, ah, je vois. Oh là là, un camp orc avec des araignées. Il faut que je trouve le chaman. Visez le chaman en premier. Visez les archers. Et l'araignée. Parfait. On peut dire que c'est un travail d'équipe qui a été accompli aujourd'hui. Et il y a un petit drop. Poisson de soin modéré. Parfait. Ah, on se rapproche du côté des araignées, on dirait. On dirait bien. Et là, il n'y a rien. Ah. Cercle des magiciens. Youhou, quelle superbe zone. Qui m'a l'air fort sympathique. Là, c'est le bois frileux. Très bien. Alors. Ah, potion de savoir. Utile. Et maintenant, je vais savoir ce qu'il y a là-bas. Donc ça, c'est la suite. Très bien. Clair et précis. Mais je veux savoir ce qu'il y a là. Bon, est-ce qu'on est chaud, est-ce qu'on est prêt? Il y a deux gardes. J'ai ouvert une porte. Hop, attaque sur l'oise dans le dos. Il y a un chaman. Je chope, c'est la priorité. Oh oh, un petit campement. Un joli campement d'orques. Qu'il est mignon ce campement. De l'autre côté, il n'y a personne. Là, il y a une barrique. Ok, il n'y a personne d'autre. Et là, il n'y a rien. Ok, c'était juste un campement d'or qui n'avait sans doute rien fait, qui n'a rien à voir. Ah. Salut copain! Ah mais vaf! Mais oui, c'est toi, on m'a dit que t'étais un méchant. Enfin, que t'étais censé être un petit boss. Ah là là, c'est incroyable ce que le destin nous réserve. Tu t'en rends? Vous pouvez tuer Val, vous laissez Val vivre! Une bonne raison. Non. Bah. Voilà. C'est. Bon bah, Val est mort. Bah. En même temps, pour ce qu'il avait fait. Ah! Tête de Val.
Ah bah c'était une quête là, l'MDR. Bon bah... easy. Je crois. Oh, une petite dague. Dague un peu nulle. Voilà, petite barille. Alors, c'est dans quelle quête que je dois donner la tête de Varat? Ah bah tiens, le cercle des magiciens. Est-ce que ça ne serait pas là où je vais découvrir ce cher Nax? Non, mauvais chemin, ici, qu'il faut que j'aille. Et là, on a... petite zone de coffre avec un peu de loot. Ah bah ils sont tous les deux piégés. Lol, l'MDR. Alors là on a quoi? On a un petit peu d'or. Pas mal. Pas mal. Désamorcer ce piège et désamorcer l'autre piège. Ah, je vous le rappelle évidemment, prenez-vous un café, un truc à boire. Parce que c'est sur le numéro Internet. Ça. Et donc là, 200 pièces d'or. Et un saphir. Très bien. Oh, je suis pas encore trop lourd. Eh bien, allons voir ce fameux cercle des magiciens. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est une de mes quêtes. Et a priori, soit je rentre, tout va bien, il n'y a pas de combat, je prends le globe. Et voilà, bon, au pire des cas, je perds un peu d'or. Mais qu'est-ce que un peu d'or lorsque j'ai... quasiment un demi million. Et alors quand je dis un demi million, c'est vraiment un demi million. Le million, c'est trop bien. Je suis pété d'argent. Est-ce que c'est ici? Mais ah merde, voilà. Je vais me... merde, je me suis trompé d'endroit. Excusez-moi, est-ce que je suis bien au bon endroit? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression d'être au bon endroit. Il y a un peu de bordel. Veuillez vous taire, messieurs, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être des cultistes. Mais vous faites beaucoup trop de bruit. Moi aussi je peux le faire hein. Vous êtes sûr que je suis au bon endroit? Bah oui.